vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. C'est l'émission rap numéro 1 en France. Planète rap. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Planète rap. 20h-21h sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap Joule, en direct du Stade Orange Vélodrome de Marseille. Et c'est parti, écoute, on peut m'ouvrir les micros s'il vous plaît, merci beaucoup Steph. Ils sont énervés, Jules, je suis désolé, ils sont un peu énervés l'équipe. Non, c'est rien. Mais tu sais pourquoi ils sont énervés? Pourquoi? Eh ben je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi. Tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui? Non. Je t'ai raconté un peu ma journée, ce que j'ai fait. Je m'en rappelle, c'est quoi que putain, déjà tu te rappelles plus? C'est quoi déjà que je suis allé à la commanderie. Ah oui, ah, c'est tu vrai. Vois, j'ai visité les magnifiques installations de l'équipe de l'OM. Ça t'a plu? On m'a offert un magnifique maillot que peut-être je dévoilerai tout à l'heure, je sais pas. Pour l'instant, on verra. On m'a offert un magnifique maillot et donc forcément Steph, qui est là, Steph qu'on retrouve sur Skyrock évidemment, hein, qui est là tous les après-midi ici sur Marseille entre midi et 16h, que tu connais Steph. Oui. Et qui est à la Real cette semaine. Il est énervé. Il est énervé. Vous voulez pas m'ouvrir les micros? Mais pas le micro. Ah, il m'a dit à n'importe quel moment je te coupe le micro, il est en grève. D'autant plus qu'il y a PSG Galatasaray ce soir. Ah ouais, tu as mis le maillot de l'OM. Hein. Ça c'est Champions League quand même ce soir. Ah, ça fait rêver quand même, non? PSG Galatasaray. Ah ouais, ça va être un bon petit match, hein, je pense. Petit pronostic ou pas? Je sais pas, la vérité, je suis pas dedans en ce moment. T'es pas dedans là, t'es ouais, dedans. Je suis loin. Là, c'est pas des LOL. C'est pas des LOL. D'autant plus qu'on est ici à l'Orange Vélodrome. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe de l'Orange Vélodrome, toute l'équipe de l'OM aussi, où on était très bien accueillis toute cette semaine entre 20 et 21. Et ça continue d'ailleurs tous les soirs de la semaine. Comment ça va l'équipe aussi? On est là. Ce soir, je tiens à vous le dire, comme hier soir, il y a eu des petites vannes sur genre Fred Camembert, des trucs, des conneries comme ça. Aujourd'hui, il y a aération. J'ai sorti mes plus belles claquettes. Les fameuses claquettes. Ah ouais, t'es un monstre. Dorées de platine. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Voilà, donc les gars. Mais par contre, calme sur. J'ai un peu de courbature quand même. Donc si on peut calmer sur le parachute. Le maillot, le maillot, le maillot, le maillot. Quel maillot? Apparemment, tu as un maillot. J'ai un maillot sous moi. On verra tout à l'heure. Les images sont à découvrir sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock. On est en direct, évidemment, dans toute la France. Je t'ai pas demandé comment ça va, Jules, ce soir. Moi, ça va bien. Tranquillement, et toi? Tu es bien? Tu vois pas que je vais bien quand je suis là? Franchement, je vois, tu as le sourire. Yann. C'est bien, on arrive détendu. On passe une bonne soirée. Une très belle soirée. Ambiancé comme jamais. Où tout peut arriver. Tout peut arriver. À n'importe quel moment. La toupie. Le parachute. Le boulon. Le parachute qui s'ouvre pas. Le parachute qui s'ouvre pas. Tout est possible. C'est Aqualand dans Skyrock. C'est un peu un grand n'importe quoi. Avec l'album C'est pas des LOL, l'album qui est sorti vendredi, qui est dispo. D'ailleurs, on fêtera ici à l'Orange Vélodrome vendredi la première semaine, ce qu'on appelle la première semaine d'exploitation. C'est ça. Donc la première semaine de la sortie d'album. Ouais. Et ça se passe très bien aussi. Ah ouais, comme j'ai vu hier, on était à 21 en 3 jours. Comme d'habitude, merci la team. Ouais, merci à l'équipe. C'est quelque chose de. Tellement moi, tu vois, je me dis à chaque fois, dans ma tête, je me dis bon, peut-être je vais faire tant. À chaque fois, ils me surprennent. Comme ils sont réceptifs, tout le temps là, ils sont toujours présents, ils sont toujours au rendez-vous. À une team en or. Et ce soir, tu vas même leur offrir la coupe de Joule, parce que pendant l'émission, ah ouais, il paraît que tu vas te faire coiffer pendant l'émission. C'est ça, Joule, je ramenais Tahar. Et merci Tahar Coiffure. On va faire un petit dégradé en live. Hein. Donc alors, pour ceux qui veulent découvrir les images, hein, si vous avez l'occasion d'aller sur le site Skyrock FM, sur l'application Skyrock, vous allez pouvoir découvrir la fameuse coupe de Joule qui est demandée. Donc vous pourrez la découvrir en image d'ici quelques minutes. Oui, merci la zone. Évidemment. Et puis on attaque comme chaque soir un petit coup de beau magique. Qu'est-ce que t'en penses? Pour nous chauffer, c'est ça qu'il nous faut. Un petit coup de beau magique. Un petit coup de beau magique. Hein. Allez, c'est parti. Coup d'envoi de ce Planète Rap. On est avec Joule toute la semaine. Je fume de la beuh magique. Je tasse et je me casse. Je fume de la beuh magique. Grosse doudoune, c'est l'hiver. En crap sur le GSXR. Ça fait ville à bord de mer. Avec la vue sur la bonne mer. Quand t'as cours mon cassin. 20 eux, il a rasé le casin. Il a braqué des magasins. Il s'est caché sur le toit du voisin. C'est fini, ça sort les armes. Mais y'en a, ils se prennent dans des BZ. Faites gaffe à qui vous donnez la force. Parce qu'il y en a, ils vous font des BZ.
Parce qu'il y en a, ils font des BZ. J'fume de la beuh magique. 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 Je tasse et j'me casse. Je tasse et j'me casse. Je tasse et j'me casse. Je tasse, tasse, tasse. J'fais mal le signe sur les pouces. Merci, au revoir à l'épice. Ils sont en feu ce soir, les couses. Ils sont pas chichés, ils se font des crises. Ambiance électrique, j'fais des pas dedans, j'suis dans le truc. Faut pas le fou, il t'a mis la trique. Depuis tu as peur qu'il te traque. J'fais des pompes et pecs comme trinque. J'en ai marre du rap, me mets de la funk. Si j'arrête le rap, j'vois la vie en pink. Pour l'instant, j'vois que t'es murant, j'dirais que tu es en plan. J'fume de la beuh magique. 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 Je tasse et j'me casse. Je tasse et j'me casse. Je tasse et j'me casse. Je tasse, tasse, tasse. J'fume de la beuh magique. 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 Je tasse et j'me casse. Je tasse et j'me casse. Je tasse et j'me casse. Je tasse, tasse, tasse. J'nique tout, j'me médaille. J'fais tel beau sur le boulevard bail. Jamais tiré de rail. Dans la zone, ça déraille comme dans rail. Mon caprice, c'est une banane. Mon 5 ans dans la banane. Caprice and banane, mon 5 ans dans la banane. Dans une carte postale avec ma piscine. Plein de pochons dans la cuisine. J'fais des gros sons, elle bouge la zine. La zine, la zine, la zine, la zine. La zine, la zine, la zine, la zine, la zine, la zine. J'fume de la beuh magique. 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 Je tasse et j'me casse. Je tasse et j'me casse. Je tasse et j'me casse. Je tasse. Le métro, la moto. J'fume de la beuh magique, j'fume de la beuh magique. Je tasse et j'me casse, je tasse et j'me casse. Je tasse et j'me casse, je tasse, tasse, tasse. J'suis dans le moulin, j'fais la mala, j'fais des millions, j'ai resté le même. J'suis mignon, j'pleure madame, casque d'un arrière dans le BM. Skyrock, et c'est le Planète Rap ici en direct de l'Orange Vélodrome, où tu seras d'ailleurs le 6 juin prochain avec Skyrock ici même. Ça se remplit, ça se remplit tous les jours. On me dit les chiffres sont incroyables. Hein. Et là. Oh là 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 là, dépêchez-vous de prendre des places. Tout à l'heure, on m'a dit des chiffres. Moi aussi. On est pratiquement à 40. Ouais, exactement. C'est ce qu'on m'a dit pareil. On m'a dit. 40 000. Dépêchez-vous parce que il reste quoi? 20 000 places à peu près, hein, c'est dépêchez-vous. Ça? Dépêchez-vous. 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 On dit ça, je dis rien. On dit ça, on dit rien. On dit ça, on dit rien. Mais dépêchez-vous parce que, mine de rien, c'est dans 6 mois. Ça peut aller très vite. Et il y a déjà pour des moi, endroits dans le stade qui sont remplis, hein, je le rappelle, parce que évidemment il y a des zones forcément quand on fait un stade, donc il y a des tribunes, il y a la pelouse. La pelouse, je crois, elle est pleine. La pelouse est pleine, donc dépêchez-vous de prendre les places, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, c'est demain. C'est le 6 juin 2020 avec Skyrock à pas louper, même si on vous fera gagner aussi des places sur Skyrock prochainement, dans des roulettes en 2020, on fera des cadeaux, on filera des places. Mais c'est bien d'en avoir quand même en poche, on sait jamais. Toujours. Ça vous venez à plusieurs. Toujours, toujours. C'est le Planète Rap avec Jules, l'équipe est déjà là bien en place, hein. J'ai vu, vous êtes chaud, les gars. Ah, ce soir, je les ai vus. Ah, moi aussi, je les ai vus. Ils sont bouillants ce soir. Ils sont bouillants. Nous allons faire, Jules, avant de balancer un nouveau morceau, un petit jeu qu'on a lancé qui s'appelle le Chronos. Le Chronos, c'est simple. Le Chronos, tu vas voir, il faut aller très vite. Dis-moi. Je balance des mots et ça te fait réagir direct derrière. Par un mot aussi, tu vas voir, c'est très simple. Par exemple, coup d'envoi, est-ce qu'on peut mettre le coup d'envoi du Chronos? C'est parti. Le Chronos, c'est parti. Un Marseillais, si tu dois citer un Marseillais, très vite. À qui Zizou. Zizou. Un scooter. 125 GLT Max. Un titre de Jules. Beuh magique. Une info sur le 6 juin. Je vais tout casser. Une boisson. Capricorne fruits rouges. Un homme. Un homme. Allez, on passe à autre chose. Un joueur de l'OM. Un joueur de l'OM, Benedetto. Un joueur du PSG. Un joueur du PSG, Neymar. Une femme. Une femme. Maman. Ma mère. Allez, voilà, ça glisse tout seul. Une déception. Une déception. Je sais plus. Ok, allez, on passe à autre chose. Trop. Une insulte. Une insulte. Arrête. Une insulte. Te faire enculer. Manger à Marseille. Manger à Marseille. En ce moment, c'est assez injuste le snack. Je sais plus où c'est. La grillade. La grillade. Ouais, okay. Assez injuste. Une paire de chaussures. Une paire de chaussures Asics. Un film culte. Scarface. Un album de ton enfance.
La FF, si tu veux. Un principe de vie. Principe de vie, toujours rester simple. Une position. Une position, attaquant. Ah, attaquant, c'est pas mal. Ah, je l'avais jamais eu, celle-ci, c'est bien. Un article de chez Decathlon. La Calendjoul. Un hashtag. Un hashtag, hashtag Twitter en Y. Un plat d'enfance. Un plat d'enfance, pâte en sauce. Une tenue pour un tapis rouge. Survêt doré platine. Une mode à bannir. Une mode à bannir. Ouais, une mode qu'il faut enlever absolument. Ah, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Une nuque à casser. Laquelle? toute la nuque des jaloux. Une expression du coin. Une expression du coin. Mandonné. J'ai envie de te dire. Mandonné. On n'est pas randonnée. Et enfin, un mot de la fin. Un mot de la fin. Ouais. Ouais. Bah, la fin du Chronos. Donc, le mot de la fin, c'est. Et merci bien la zone. Et merci bien la zone. Merci la Team Joule, surtout la Team Joule. Pas mal, on est à 2-13. Le dernier, c'était 1-40, c'était avec qui C'était SCH la semaine dernière. Ah, il fallait aller vite. Et bah oui, il faut aller vite, c'est l'interview Chronos. Ah, Chronos, j'avais pas mais compris. Mais c'est Chronos, ça va, tranquille. Ouais, ça va. 1-40 pour SCH, bon, tu vois, on est. Il m'a gagné, il m'a gagné. On est sur la moyenne marseillaise, j'ai envie de dire. Voilà. C'est la moyenne marseillaise, tranquille. Le Planète Rap ici en direct de l'Orange Vélodrome, entre 20 et 21 tous les soirs de la semaine. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous rappelle aussi donc le concert, évidemment le concert du 6 juin. L'album qui est sorti aussi, hein, cet album qui est sorti depuis vendredi. Ouais, l'album c'est pas des lol, c'est double, pas des album, double album. 37 sons dans la nuque. Voilà, que pour ma Team Joule. Et merci les fêtes. Merci bien la zone. Et voilà, je vous aime la Team Joule. Et si on mettait un petit morceau? Il y a quoi un peu? On a qui s'appelle Mon Bébé d'amour. Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi je dis oui. On dit oui pour Mon Bébé d'amour? Ah ouais, moi franchement je kiffe. L'équipe, on dit oui pour Bébé d'amour ou... C'est la zone. Allez, c'est parti, coup d'envoi. Elle veut que je la sorte. Ah, elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Ah, elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Ah, elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Tu veux la bague à la manita. Tu me veux pour toute la vida. Mais si un jour tu me quittes, je pars à Santa Monica. J'aurais bien aimé être avec toi, mais j'ai du travail, je peux pas rester. J'aime bien quand tu me fais des guilis et que tu me caresses. J'attendais mon petit plan en rentrant à la maison, mais tu m'as nexté. Ça m'a vexé, mais tu es mon bébé d'amour. Elle m'a tué du regard, elle a fait fondre mon petit cœur comme un glaçon. Elle me dit qu'elle me veut pour la vie, que je lui fasse des filles et des garçons. On s'aime, on se dispute, on se réconcilie toujours de toute façon. Qu'elle se fait belle pour moi, je crois que ce soir elle veut que je la sorte. Ah, elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Ah, elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Ah, elle veut que je la sorte. Mon bébé d'amour. Ah, 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 ah. Je reçois SMS, bébé d'amour. Elle me dit, je pense à toi. J'espère que là où t'es, y'a pas de fille. Fais gaffe à toi.
Des fois j'en ai marre, plein de disputes, c'est pas la joie. La 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 la. Ah, elle veut que je la sorte, mon bébé d'amour. Ah, elle veut que je la sorte, mon bébé d'amour. Ah, elle veut que je la sorte, mon bébé d'amour. Ah, 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 ah. Skyrock et c'est le Planet Rap ici en direct de l'Orange Vélodrome avec Jules. Alors, la coupe a commencé, Jules. Hein. Eh oui, gros dégradé du tertus. Hein. Là, attention, tu es concentré parce qu'il y a un sacré rasoir au-dessus de ta nuque. Eh ouais. Là, c'est du cassage de nuit. Attention quand même. Ah, j'ai confiance en toi. Ah, tu peux pas trop parler quand même. Hein, ouais, je suis là, je peux pas parler. Alors, pour ceux qui veulent suivre, comment on fait une coupe à la Jules, c'est très simple. Tout de suite, les images sont disponibles sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock. Voilà, et on dit merci à Art Coiffure. Et on dit merci à Art Coiffure qui est là, qui est très concentré, Tard. Hein. Merci, la zone. Hein. S'il vous plaît, ne faites pas le moulou avec Tard, parce que ça peut. Ah ouais. Non, c'est quoi, c'est pas le moulou? Faut pas faire moulon, là. Moulon, pardon, merde. Je dis moulou. Autant pour moi. Non, ne faites pas moulon, là. Ne faites pas moulon, ça peut trancher d'un seul coup. Et on a besoin de toi encore, Jules. Ouais. Tu es concentré, je te vois concentré. Ouais, je suis là. Entre 20h et 21h, c'est l'album. On va saluer Moubarak, qui est là aussi avec nous. Alors, Moubs. Moubs, il paraît que ça va kicker ce soir. Ouais, ça va envoyer. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Là, on est chaud, on va envoyer un freestyle, tranquille. Quoi, inédit, truc Inédit, ouais, inédit, jamais sorti. On rappelle aussi que t'es sur le double album, évidemment, ouais. C'est pas des lol, ouais. De Jules. Ouais, et franchement, je suis content, ça fait plaisir, et voilà, on est là, hein. Mmh. Capricorn, posé, toi c'est Capricorn, ouais. Ouais, comme au quartier, comme moi, dans la zone, partout. C'est le même jus que je prends. Ah ouais? Ouais. Tu connais, c'est la frappe. Capricorn fruit rouge, il passe crème. Hein. Ouais. Ouais, il passe tranquille celui-ci. Ouais, il passe bien. Moi, c'est pas vraiment le fruit rouge, mais c'est un autre truc. Mais ouais. Tu l'as, on dirait un yaourt. Tu vois un peu le Ah ouais, comme ça, il est. Ouais. J'ai pas testé celui-ci, très bien. J'ai kiffé, moi. Ah ouais, putain, attends, mais c'est très technique en fait ta coupe, hein. Ah oui. Parce qu'on peut dire que c'est simple, mais c'est très technique, quoi. Gros dégradé du tir. Il y a un vrai dégradé, quoi, là-dessus, hein. On aura tout fait dans cette émission. Maintenant, c'est le salon coiffure avec le Planet Rap entre 20 et 21. Dans un instant, on va prendre des petits coups de fil aussi, 06 83. Ou peut-être maintenant, d'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre des coups de fil maintenant, 06 83 96 96 96? C'est le portable de Planet Rap à n'importe quel moment. Vous intervenez à l'antenne. D'ailleurs, hier soir, on a eu quelqu'un de Toulon. D'ailleurs, il est là. Tu as vu qu'il est là ou pas? Il est là, il est venu. Il est où, le Lagerfeld? Il est où, Tony Lagerfeld? Il est là. Gamassa, il est là, Lagerfeld. Il est venu hier soir, il était de Toulon. Ça va ou quoi, Tony? En pleine forme? Hier soir, il a appelé le 06 83 96 96 96. Ça va bien? Merci, Lagerfeld. Ah, merci, Luigi. Merci, Skyrock. Ça fait plaisir, en tout cas. Merci à toi, frère. Là, on est là. Merci d'être venu. Merci à toi, le sang, en tout cas. Ça t'as appelé plaisir. Hier soir, ouais. T'as appelé hier soir, j'ai appelé. J'étais là, pizza à la bouche et tout normal. Et la 4 fromages et la 6 fromages. Elle est où, la 6 fromages? Elle est à Toulon, à la capitale. Ah oui, c'est un peu compliqué. Ah ouais, c'est quoi? Comment ça s'appelle ta pizzeria? Pizza Lito, c'est la pizza du frère. Pizza Lito. Ok, ben voilà. Dédicace à lui, dédicace à Corentin. Voilà, j'ai qui regarde à cette heure-ci. Donc, merci bien. Merci. Allez, on va prendre quelques coups de fil. On y va, c'est parti. Allô, c'est qui? Allô. Allô? Oui, c'est toi, tu es en direct. Tu es en direct à l'antenne. On t'écoute. Ça va ou quoi? Allô? 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 Oui, c'est toi, tu es en direct à l'antenne. Tu m'entends? Ça marche pas. Bon, ça marche pas, on prend quelqu'un d'autre. Allez, hop, c'est parti. Parce que sinon, on va pas y rester 3 heures. Allô, c'est qui? Tu me joules. 06. Oui, c'est qui? Tu es en direct à l'antenne, on t'écoute. Ouais, c'est les Jules. Bonne année. Alors Jules, comment ça va Jules? Tu es par téléphone, mais où es-tu? Allô. Bon, je sais pas, il est parti lui aussi. Allez, on prend quelqu'un d'autre. Oui, on va. Il faut aller vite, hein. Ouais, c'est qui? Tu t'appelles comment? Allô. Oui. Tu t'appelles comment? Ouais. Ouais Jules, ça va ou quoi le temps? Ça va ou quoi? Tu t'appelles comment? On va faire une trappe là. De trappe? De trappe, le 7-8. Et merci, c'est la zone. Merci, ouais, merci d'abonner. Lourd l'album, ouais. Ma gueule, lourd. Ouais, tu as bien kiffé. Dédicace au frérot enfermé, dédicace à tout le monde. Grosse dédicace au frérot enfermé. On a retourné merci, Bercy là en novembre. On a retourné Bercy le temps. Ouais, magnifique Bercy, ouais. Dinguerie. Merci la zone. Et merci à toi, merci pour le coup de fil. Allez, on prend quelqu'un d'autre. 06 83 96 96 96. Allô, c'est qui? Allô. Ouais, t'es en direct à l'antenne. Ouais, c'est Fredo de Toulouse.
Il faut que tu coupes le haut-parleur. Faut que tu coupes le dos de tout. Ah, je passe au haut-parleur. Je passe au Skyrock. Ah, c'est Skyrock, tout le monde, ça joue dans l'instant. Tu m'entends? Alors coupe la radio, coupe un peu, baisse un peu, baisse un peu. Il n'y a pas de radio, il y a Rawalou là, frère. Ben voilà, là c'est parfait. Vas-y, on t'écoute. Ouais, ouais, ouais. Bah, Jules, là, encore dédicace dans le stage. Je te connais depuis là. Tu es arrivé à Toulouse, là, et tu fais un photo, tendance. Après, tu es venu au Zénith, t'es le feu, frère. Ah, merci, frérot. C'est et bien, moi aussi, j'ai kiffé à Toulouse. Vas-y, hein? Et est-ce que tu viens le 6 juin à l'Orange Vélodrome? J'espère venir, ouais. Ah, bah voilà, il faut venir. Dépêche-toi de prendre les places. Merci bien. Tu peux passer dédicace? Vas-y, on t'écoute. Ah, dédicace à tout mon secteur, la Bastide, Amine, Marwan, Wissem, Moha, et tous les frérots enfermés, Yes, Naïm, Amika, Mohamed. Et vas-y, je voulais force à toi. Merci, force à toi aussi. Eh ben, merci à toi pour le coup de fil. C'est parti. Tout à l'heure, on prendra peut-être encore des appels. Mais juste avant de mettre un morceau, est-ce qu'on ne mettrait pas, faut que je me tire de là, Joule? Allez, vas-y, qu'est-ce ouais. Qu'on fait, on balance ça? Ouais, ouais, ouais. Non, les gars. Vas-y, attends, je me tire de là. Oui. Ouais, ouais, non, j'allais dire, ouais. Faut... si c'est le bordel, je me. Faut pas que t'as. Ah ouais, ouais. il faut que tu ranges la lame, là. Fais attention, bon range la lame parce que. Tu attends, il faut qu'on garde Joule en pleine forme, hein. Il faut qu'il soit en pleine forme, hein. On dit merci tard, hein. Et merci tard, bras. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour tard, s'il vous plaît? Attends, mais en l'espace de quelques minutes, il t'a rendu vraiment. Eh oui, il faut dégrader du tube. Allez, c'est parti, on balance le morceau, c'est extrait de C'est pas des LOL. Merci, la zone. J'ai le cerveau qui fume, non, c'est pas des LOL. Je bois la siroc, vanille ou la couleur chocolat. J'ai même vu qu'il n'y a pas d'amis, ça tourne autour, ça salit. Sur ce temple, t'as banni. Et toi, tu plaines, c'est mon plan, je la nique. Je zone dans la jojo, je suis sur la bécane à néné. Elle veut faire la photo, elle me dit qu'on va s'aimer. Joue à FIFA dans le piano, Magadi m'envoie diamant. Tito chauffeur piano, je veux pas finir comme princesse Diana. Ah ouais, je suis chaud, 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 chaud patate. Ah ouais, je suis chaud, 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 chaud patate. Chris m'appelait pas. J'en gifle et si demain je passe par là-bas. Ça veut l'enro, ça veut pas jobber. Mais faut des love. Oh, photo, regarde pas ma beauté. Ça fait les putains pour ça envoie des gels là. Vas-y, pote au balaba là-bas. Après tu pleures quand y'a des problèmes. Tu cours comme un laba là-bas. Oh, poto, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, poto. Oh, poto, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, poto. My.
c'est la zone. Et voilà l'équipe, ici c'est le feu. Ce soir c'est mouvementé. C'est mouvementé ce soir. Heureusement, je suis assis sur mon siège. On est au virage ce soir. Je suis assis sur mon siège, tout va bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est mouvementé. Il y a des gens qui ont soif, forcément. Les bouteilles se perdent un petit peu ici. On va saluer l'équipe comme c'était d'habitude. Bouillant, qu'est-ce derrière. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Moubarak, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ah, le son, j'étais derrière. Ah non, mais c'est Billy Boy, c'est chaud, c'est Billy Boy. C'est chaud. Cherche mon flash. T'as perdu quoi? T'as perdu quoi, ton flash? Billy Boy, il a perdu le flash. On va essayer de retrouver. Ah, ben voilà, c'est bon. Il est retrouvé. Merci la zone. J'ai vu Ben Goose dans le coin aussi, comme d'hab. Ben Goose, il est en transe là. Il est en transe. Je lui ai montré quelque chose. Il est en transe. Ça m'a fait bander quand tu portes le maillot de l'OM. Eh, merci frère. Je n'ai pas dévoilé encore. On voit juste le col. Mais ça va pas tarder. Je vais dévoiler tout à l'heure. Puisqu'il y a eu en effet un transfert qui a été fait aujourd'hui. Ouais. C'est le transfert de la décennie. Après Florian Maurice. Ouais. Par contre, bon retour hein, chez toi à Paris. Je sais pas si tu vas rentrer, frère. Hein. Ouais, je me rappelle de Florian. T'aimais bien? Vite fait. Je fais rire à Vanelli. D'ailleurs, son anniversaire aujourd'hui. Ah bah, bon anniversaire alors. Et ce soir, donc, il y aura un transfert qui sera dévoilé en fin d'émission. Ouais, un gros transfert. C'est le transfert de la décennie. Du nord au sud. Après Drogba, il n'y a pas eu mieux. Allez. Franchement, il n'y a pas eu mieux. On verra bien, hein. Et ça a été signé aujourd'hui à la commanderie. Ne bougez pas, dans un instant on va revenir avec Jules. C'est notre invité tous les soirs ici, on est à l'Orange Vélodrome. On passe une belle semaine, hein. On est mercredi. On est calouse. Je rappelle aussi, parce qu'il y a plein de gens qui disaient, est-ce que Jules va rapper, va faire des trucs de fou? Restez avec nous. Restez là. Restez avec nous. Restez connectés. Parce qu'il peut se passer des choses avant vendredi. Ah, vendredi, ah, tu sais quoi? On dit ou on dit pas? Vas-y, dis-le. Dis-le. Qu'est-ce qui se passe vendredi dans l'émission? Vendredi. On peut le dire, on est mercredi maintenant. Vendredi, il va y avoir un long freestyle. Genre, est-ce que tu... Il y a eu des records, freestyle. Il y a eu Niska, il y a eu Vald qui a fait un record. Est-ce que Jules va tenter quand même le record ou... Je vais faire un long freestyle. Un long freestyle. D'accord. Voilà. La dernière fois, c'était quoi avec Vald? 38 minutes... 38, hein? 38, 16, 40? 36, pardon. 36 combien? 36, 20, c'était avec Vald. La dernière fois. Et merci la zone. Et merci. D'ailleurs, on salue Vald. Hein. Et oui, et grosse dédicace à Vald et à Niska aussi. Bien sûr, grosse dédicace à eux. Merci la zone. Qui nous ont régalé. Et tout ça ne reste évidemment qu'un grand moment, surtout d'antenne, de plaisir, de kiff. Et oui, avant tout, c'est pas. Bien sûr, tu sais quoi, quand je viens là, moi que je freestyle et tout, je me régale. Ouais, c'est ça, c'est pas. La vérité, là, j'ai tout gardé là pour vendredi. On va voir un peu ce que ça donne, je vais me régaler. Eh bah très bien, nous aussi on va se régaler dans un instant, on va revenir. Tiens, alors attends, parce que ce soir je n'ai pas l'ordi, parce que j'ai planqué l'ordi, parce que je me suis dit, ouais. depuis hier, il peut y avoir des drames. Tu as peur qu'il chute. Ouais, j'ai un peu peur de la chute. Donc j'ai tout sur le portable dans un instant. Ah, ça mange la barre. Ça mange la barre? Non? Eh oui, pourquoi pas. Ça mange la barre? Vas-y, ça mange la barre. Ne bougez pas, c'est dans un instant le retour de Planète Rap. Et c'est Jules, notre... Je voulais parler vite fait sur ce son. Vas-y. Parce que tu vois, ça mange la barre, c'est un son pas... Tu vois, c'est un son un peu beatland, tout ça. Et ça, j'ai vu que, tu vois, la dernière fois, j'ai vu que quand je fais des sons un peu lents comme ça, je sais qu'ils aiment, tu as vu, à chaque fois que j'envoie des trucs comme ça. Donc ça, c'est spécialement pour les gens qui ont kiffé... Les morceaux comme style avec Nino par exemple, tu vois, jusqu'à minuit, des trucs comme ça, ben c'est des délires comme ça, tu vois, un peu. On a essayé de tenter. Et je fais ça parce que... Mais t'as pris du plaisir dessus justement en faisant... Bien sûr, ah ouais, franchement. Même là, tu verras, dans les freestyles et tout, genre, j'ai pris des instrus différentes un peu et tout, je me suis régalé. Rendez-vous vendredi. Ouais. Et d'ailleurs, rendez-vous même demain, d'ailleurs, tous les soirs, entre 20h et 21h, on se régale. Jules est là, nous aussi, on est là avec vous, entre 20 et 21h. Ne bougez pas, le retour du son, donc on balancera ce morceau, extrait de C'est pas des LOL, juste après la pub. Et merci la pub. Planète Rap, 20h, 21h sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap Jules, en direct du Stade Orange Vélodrome de Marseille. Je rentre à la maison, je fais des sous, on pourrait croire que j'ai un réseau. Vu sur l'échange, j'essaie de comprendre les choses. Quand je fume pas le chichon, là je suis méchant. Ah, c'est chaud, le Sancho, Chatangue, c'est le cajo. Et les cantines, et les yo-yo. Parce qu'ils disent, dis merci le coach.
Pardon, ah mais excusez-moi, on est en direct, c'est parti. Pardon, c'est le Planet Rap entre 20h et 21h. Excusez-moi, on va retrouver Jules. Où est passé Jules? Ouais, le Moubarak. Je sais pas ce qui s'est passé parce que j'étais en pleine. Moi j'étais en discussion avec Bengus. Discussion avec Bengus tranquillement. Baby Boy, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit de parler un peu avec toi. Eh ben vas-y, viens avec moi. Il va arriver. Rappelle-nous un peu ce que tu fais en ce moment, ce qui se passe, ce qui va sortir. En ce moment, vas-y. Il y a dans l'album au frérot à Jules. Et là, je crois que je ressortirai un projet, je crois, dans pas longtemps. Hein. C'est vrai? Ouais. 2020? L'écro, t'es dessus? Ouais. Ça bosse dur? Ouais, ça bosse tout le temps. Hein. Ça y est, il est là, Jules. Ah, c'est bon. C'est après la mi-temps, on est de retour après la mi-temps. C'est bon, on est en direct du stade Orange Vélodrome. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Jules, s'il vous plaît, Steph? Je sais que t'es... Ouais. Alors que pourtant, Jules, c'est quand même l'enfant... c'est l'enfant de Marseille, hein? Ouais, c'est... Là, ouais. Tu peux lui ouvrir le micro. Moi, tu me coupes. Je comprends que tu sois énervé. Je comprends. Moi, je suis la girouette, mais il n'y a pas de problème. Mais j'assume d'ailleurs ce côté girouette. Mais attends, là, c'est l'enfant du pays quand même. C'est Jules. Donc, ouvrons le micro de Jules, s'il vous plaît. Merci la zone. Oui, c'est ça. On était en train de dire Moubs. Là, en ce moment, il charbonne beaucoup. Tu as vu qu'il est en studio, lui aussi. Il charbonne autant que moi. Là, il est en mode. Qu'il envoie des dingueries ce soir, il va envoyer une dinguerie et je continue. C'est quoi le morceau team. Que tu vas nous faire tout à l'heure? Il s'appelle Moubzer de Laser. Moubzer de Laser, et je vois que le morceau inédit, parce que Jules nous fait à chaque fois tous les soirs des morceaux inédits, ouais. Il s'appelle Manu Chao. Après. Enfin, tu l'as appelé Manu Chao parce qu'il y a des petits sons. Il y a des petites sonorités. C'est, tu vois, c'est une chanson que j'aimais, mais attends, il s'appelle Manu Chao? Bah, moi, j'ai sur mon truc Manu Chao. Attends, c'est quoi? Je vous redis après le titre. Oui, tranquille. Il s'appellera Chao. Il s'appellera peut-être autrement. Ouais, je vais réfléchir. Manu Chao, par contre, honnêtement, en dehors du rap, c'est des gens que tu écoutes aussi, que c'est des gens que tu peux écouter? Eh oui. Je n'aime plus mon amour. Je ne t'aime plus. Pour toujours. Il m'a régalé. Non, Manu Chao, ouais. C'est une musique que je peux encore écouter. Surtout celle-là, là. Que je peux encore écouter aujourd'hui, comme si j'écoutais un nouveau son. C'est quoi les sons aussi que t'écoutes en rap actuellement? Enfin, il y a des choses actuellement que t'écoutes ou pas? En rap, j'écoute. C'est quoi? Comme d'habitude, j'écoute toujours dans... En fait, j'ai ma petite... Tu vois, je me suis préparé des petits sons. Mmh. J'ai un petit truc où il y a Le Prisonnier de Antoine Kiosi. Mmh. Après, j'ai du Michael Jackson. J'ai repris plein de sons à l'ancienne. Là. Je sais pas si tu connais 112. Mmh. C'est un groupe à l'ancienne.
Là, j'écoute des sons de je me suis mis un peu à l'ancienne, là. Je réécoute, je me remémore un peu les. Il y a quelqu'un qui t'a justement apporté cette musique, ou en tout cas initié à cette musique. Il y a des gens autour de toi, je sais pas, de la famille ou des proches, avec qui t'écoutais des sons ou qui t'ont marqué? Que j'écoutais des sons, ouais, avec mon père, je sais que. Il mettait tout le temps le son à fond dans la voiture, tu vois, tout ça, même avec ma mère et tout, à coup de Dalida. Ça, t'as des souvenirs de ça vraiment précis en tout cas? Ouais, bien sûr. Ouais, voilà, j'ai grandi, on va dire, dans la musique quand même. Et dans ce côté culture populaire aussi, mais dans le bon sens du terme, parce que souvent on dit populaire, un petit peu comme toi, t'es un rappeur populaire parce que tu réunis plein de gens, tu peux faire un stade, c'est la preuve, le 6 juin ce sera blindé ici à l'Orange Vélodrome. Ouais. Et populaire, c'est pas un mauvais terme d'ailleurs de dire populaire. Voilà, non, c'est, je suis content. Voilà, c'est ça, ça veut dire que ça touche plein de gens différents. Bien sûr, c'est le but à la base, c'est que tout le monde soit touché, tu vois. À la base, je voulais toucher tout le monde. Peu importe la catégorie sociale, que tu sois. Ah, bien sûr, peu importe, que tu sois un peu prolo, que tu sois riche, que tu sois n'importe quoi, c'est pour tout le monde. Je fais du son pour tout le monde. Voilà, j'essaye de. Comme d'habitude, moi, le but principal, c'est que les gens, ils se ressentent et qu'ils s'évadent. Voilà, le but, c'est ça. C'est vraiment ça, ouais. Qu'ils se ressentent et qu'ils s'évadent. Voilà, moi, mon but, c'est que les gens, quand même. Ben, la plupart des retours que j'ai, d'ailleurs, c'est. Putain, oh, tu as écrit ce son, mais on dirait que tu l'as écrit pour moi et tout. Des fois, j'ai plein de retours comme ça. On dirait que c'est ma vie que tu dis et tout. Nanana. Donc, c'est comme je raconte ma vie et beaucoup de gens doivent vivre un peu ce que je vis et tout. Et ils se sentent visés. Mais c'est le but. Hein. C'est pour ça que. Mais est-ce que tu arrives d'ailleurs à avoir encore. Alors, ça c'est aussi, j'ai envie de dire, le revers de la médaille. C'est est-ce que tu arrives à avoir une vie, en fait, au quotidien? Parce que c'est vrai que, même ici à Marseille, je suppose que quand tu sors à Marseille, je sais pas si tu arrives à sortir à Marseille, mais c'est compliqué. Non, c'est que pas les gens veulent faire les photos, ça va vite. Ma vie, c'est la voiture. Vraiment, je suis dans la voiture, je vais me poser. Vu que je peux me poser nulle part, je vais me poser sur un parking, je vais me poser vers le secteur, vers de partout. Je vais de partout, je suis dans la voiture. Tu pars plutôt le soir ou non, même la journée, ouais. Même la journée, il peut m'arriver de me poser dans un endroit que les gens ils disent qu'est-ce qu'il fout là, Jules? Qu'est-ce qu'il fout? Mais là, merde, en plein sur la corniche, il est en train d'écrire, qu'est-ce qu'il fout? Ouais, plein de trucs, je me pose comme ça, vu que je peux me poser nulle part, sans être tranquille, tu as vu. Ça, c'est l'inconvénient quand même, enfin, c'est un peu le revers de la médaille ou pas? C'est inconvénient, mais j'assume, parce qu'au final... Voilà, j'ai l'habitude de vivre cette vie maintenant. Moi, je suis plutôt discret, tu vois. Je ne monte pas trop, tout ça. Et ben, ça fait que je finis dans ma voiture ou dans les studios. Je suis dans. Mais ça te convient, franchement, toi? La vérité, au quotidien, des vérités, au quotidien. J'aurais aimé avoir une vie normale, comme tout le monde. Mais des fois, j'essaye d'ailleurs de me dire, ah, vas-y. En fait, je suis comme normal, tu vois. J'essaie de. Mais non, je peux pas, ça passe pas. Mmh. Je vais dans un resto, c'est photo direct. C'est photo, je vais dans. Non, je vais de partout, c'est comme ça. Mais après, c'est. Mais tu te vois partir justement, alors, est-ce que tu te vois partir loin de Marseille? Franchement, je me vois partir. Quitter un moment Marseille, je sais pas, mais alors, peut-être même à l'étranger. Je me vois partir loin, très loin même. Mais je me vois pas partir de Marseille aussi. C'est vrai, ouais. Ouais. Parce que t'es un gamin de Marseille, on en parlait, t'es l'enfant du pays, quoi, voilà. Il y a tout ici pour moi, tu vois, j'ai grandi là, je suis né ici. J'ai tout ce qu'il me faut à côté de moi, j'ai la famille, j'ai le poteau. Je sais où aller quand le soir je veux m'acheter à boire ou un sandwich. Alors où par exemple? Ce soir, surtout à boire pour moi, excuse-moi, mais. À boire. Surtout, voilà, là, souvent, on sait jamais, ça peut arriver. Souvent, imaginons, je n'ai plus d'eau à l'hôtel. Eh ben, moi là, souvent, alors, je vais à la Lime de la Caplette. D'accord. Voilà, je vais là. Très belle adresse là-bas. Il y a tout ce qu'il faut, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a plusieurs eaux différentes, il y a plusieurs jus différents. Il y a tout. D'accord. Tout ce que tu veux, tu l'as, même ce qu'il n'y a pas ici, il y a. Et voilà, donc, moi je passe là-bas en ce moment. Et on ravitaille là-bas. Eh bien, nous irons voir. Comment ça s'appelle? Rappelle-moi le nom. C'est la Lime de la Caplette. La Lime. En face de la patinoire. Voilà, en face de la patinoire. Je vais noter ça tout de suite. La Lime de la Caplette. Merci la zone. On écoute Fréquenter. Allez, vas-y. Fréquenter d'ailleurs. Alors, un petit mot sur celui-ci alors. C'est un de mes préférés, tu vois, aussi de l'album. Mais comment ça peut être un préféré sur 38 morceaux? En fait, c'est un délire, je l'aime trop ce délire. J'aime bien l'instru, j'aime tout, j'aime comment j'ai posé. À la base, j'avais fait un son. Et au final, c'est Jimmy Sax, il a rajouté du saxo.
et la vérité c'est une dinguerie. Donc voilà, ça c'est un... il fait partie de mes préférés dans l'album. Un petit mot aussi quand même aussi, profitons-en, tu parles de Jimmy Sax, ouais. Il est sur Ibiza aussi. Ouais, donc c'est... sur Ibiza. Alors par contre lui c'est un mec qui est incroyable, parce que c'est un gars qui a commencé ses shows dans les discothèques généralement. Ouais. Il y avait le DJ, lui balançait son saxo donc en live, il accompagnait les morceaux en discothèque. C'est toi ça. Tu le rencontres comment en fait Jimmy Sax? Ben en fait il y avait pas que ça aussi, là, il mettait des sons sur des clips sur YouTube. Et moi il y a un son de... En fait comment ça s'est fait, c'est un jour j'étais avec Vald en studio et sur le retour j'ai raccompagné Vald et j'ai dit tiens écoute ce son et tout, c'est un son avec tu vas voir la frappe et tout, écoute tu me dis ce que tu en penses et tout, et c'est parti de là. De là Vald il a dit ça dans un interview je crois, ou je sais pas, dans une émission où il passait, et de là ben, ça a fait la connexion. De là, on s'est envoyé un message. Il est venu sur certaines dates d'ailleurs. Il est venu. Il est venu après, ouais. Et on a fait le son. Il est venu direct. En plus, lui, il est loin. Je crois qu'il est vers Saint-Barth. Ou oui, il vit dans les îles, ouais. Mais à la base, il est de Marseille. Et il est venu. Et franchement, il nous a régalé. On a passé une soirée. Même moi, ça m'a fait découvrir quelque chose, tu as vu? Genre, d'habitude, j'ai que l'habitude de faire du son. C'est plus le piano, un peu de guitare ou quoi. Mais là, venir avec un saxo, tu as vu, il est venu. Il a fait danser tout le monde. Il a une énergie de fou, tu as vu, quand il fait du saxo. Et ça nous a régalé. Et c'est pour ça que je l'ai rajouté dans le son fréquenté. Parce que si je m'écoutais, d'ailleurs, je le mettais sur tout l'album. Tous les sons, ouais. Surtout l'album. Ah, moi, je me régale, les sons, le sax et tout. Je crois que c'est mon instrument préféré. D'ailleurs, là, ça m'a donné envie de découvrir encore d'autres instruments, tu as vu. Là, il y a un instrument. Je sais pas c'est quoi. C'est une genre de. Un genre de bol à l'envers, tu as vu. De et ça fait des cloches. Tu as vu, ça fait des cloches, des bells. Ça s'appelle des bells quand sur le logiciel. J'ai vu ça sur internet. Et ça, c'est une dinguerie. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui vienne faire ça au studio là. Parce que bon, bah. Ça, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Ouais. Je sais c'est quoi, il tape comme ça là. Gère les bols à l'envers. C'est une coupole. N'hésitez pas à la. La coupole? Ouais, c'est une coupole. Je crois que ça peut. Je vais te la faire maintenant. Ne bouge pas. Allez, c'est parti. On balance le morceau fréquenté. C'est parti. Coup d'envoi. Joule. Gros, je me laisse aller, qu'est-ce que tu crois? Tu revenais, moi j'allais, ça parle en traite. Quand on n'est pas là, c'est rien. Les gars, dans tous les cas, je vais m'en aller. Doré de platine, c'est ma marque. Je m'en fous de toi, ta team, seul je me démarque. Tu vas plus nous voir gentil si on débarque. Avec deux, trois poteaux dans un sport bac. Fais doucement. Et que tu prends le volant, ouf, fais doucement. Elle veut pas que je la. Elle préfère quand on va doucement. Elle est tellement bonne que tout le monde se vante de l'avoir fourré ou de la fréquenter. Tu lèves avec elle quand t'es sur l'Africa Twin, 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 Twin. Elle est tellement bonne que tout le monde se vante de l'avoir fourré ou de la fréquenter. Tu lèves avec elle quand t'es sur l'Africa Twin. Confiance facilement parce que doucement. Fais doucement. Tout s'achète, tout se vend. J'ai l'impression que tu me dis je te nie quand tu m'appelles mon frère. Je suis dans ma paranoïa, je ne sais plus comment faire. Dévoiler mes sentiments, non ça c'est pas trop mon fort. Et toi tu veux tout prendre, même quand c'est offert. Ça veut lever, fait pour attirer les faux vols. Ce que je peux, je le fais. J'ai envie de toucher la CC. C'était une bomba, elle avait le cul bombé. Tu l'as vu dans le bar, sucré comme un bonbon. Pour elle ça sort le peu, bon ça se fait bon c'est des bombes. Ça te casse le menton, ça fait des coups, ça se gante. Elle est tellement bonne que tout le monde se vante de l'avoir fourré ou de la fréquenter. Elle est tellement bonne que tout le monde se vante de l'avoir fourré ou de la fréquenter. Tu lèves avec elle quand t'es sur l'Africa Twin, 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 Twin. Elle est tellement bonne que tout le monde se vante de l'avoir fourré ou de la fréquenter. Tu lèves avec elle quand t'es sur l'Africa Twin.
augmenté. Tu veux le maillot? Alors là, j'ai. Alors tu leur as fait plaisir, tu as mis le maillot de l'OM. Et alors? Et attends. Et voilà. Moussa. Et merci Fred. On voulait faire la surprise à la fin, mais ça y est, c'est dévoilé, je viens de signer. J'ai signé. C'est la signature de la décennie. Et merci. Je viens de signer aujourd'hui à la commanderie avec l'Olympique Marseille. Qui chante le ballet par Marseillais? Qui chante le ballet par Marseillais? Ils ont des ballets par Marseillais. Eh oui. Ils ont des ballets par Marseillais. Merci Vincent. Et merci, merci, merci. On est chez nous. Jules. Et merci. C'est... Je sais pas comment je vais finir vendredi. Vendredi, ça m'inquiète un peu. Je crois bien que tu vas toucher le plafond vendredi. Parce que là, du moment que je fais pas le saut, parce qu'on est quand même en étage ici au Vélodrome. Hein. À l'Orange Vélodrome, on est un peu en étage en fait. Hein. Tu vas finir en bas du virage sud là. Pour ceux qui connaissent un peu le stade, on est un peu en hauteur en fait. Donc j'ai peur de finir sur la pelouse d'un seul coup, envoyé en fusée. Là j'ai vécu. Alors attends, j'ai vécu cette semaine le Delta Plane, le parachute qui s'est pas ouvert. L'avion retournait. Et là ce soir c'était le tournoiement. J'ai fait un tournoiement. J'ai tournoyé. C'était le tournoiement. Tu étais dans la malasse ce soir. Hein. C'était le tournoiement incroyable. Ouais. Le Planète Rap entre 20 et 21, ça va toujours ici ou quoi? Ouais. Avant de retrouver Allez Diffoul dans un instant et la radio libre, ne bougez pas, évidemment. Ne bougez pas. Je me fais traiter par Fab qui réalise l'émission. Tu connais Fabulous qui réalise l'émission, qui est un supporter parisien, qui doit suivre. À Paris. Tu connais Fab. Et tout, ouais. On fait un bisou à Fab, évidemment. Non. Il m'envoie des messages en disant tu es une girouette. Ah. Tu es une girouette marseillaise. Non, ça je peux pas cautionner. Elle a, tu as mis le maillot de l'OM, Fred. Ça, je peux pas cautionner. On écoute le live de Moubarak. Non, il y a le tien aussi. Hein. On commence par quoi? On commence par moi. On commence par Jules. Titre inédit maintenant. Gros titre là, les gars. On y va. J'suis dans le boulot, j'fais la malle. J'suis dans le boulot, j'fais la malle. J'suis dans le boulot, j'fais la malle. J'passe au nord, j'vois des cibles dans la berlingo. Ils sont trop fingo, j'les regarde même pas. J'suis parano, le pote comme Sam dans le casino. Heureusement que tu pas dans ton casino. Pour moi ça serait pas si beau. Fais gaffe quand tu lèves le TD. Elle fait sa belle dans le BM. Elle est bronzée à la frange. Le poteau il a
c'est le Planète Rap. Avec ce morceau et ce titre inédit de Jul à l'instant. Morceau qu'on a pour l'instant baptisé Manu Chao. Oui, Jul. J'ai perdu Jul dans le boulon. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro là-bas, s'il vous plaît, de Moubarak? Merci. Ouais, il est là, moi, je le vois. Où, tu vois? Ah, je le vois, je vois. Il est ah, là. Ouais. Ah ouais, c'est le bordel. Là. Il est là, c'est le bordel, Moubarak. T'es prêt pour le live, toi aussi? Ouais, je suis chaud. Allez, on t'écoute maintenant, vas-y. C'est parti en live. 11h de laser. Eh, hey, Moubarak! 11h de laser. Envoie tout, hein! 11h de laser! Je meurs malade. À main de justice, il faut que j'escalade. Vers le vieux port, je me fais une balala. J'écoute les fous et toutes les salalas. Je me le prends chemin, je ne le rigerai. Si je me ratirai, je me relève, je reste sur le terrain. Tu veux que j'appuie sur frein, je suis bizarre, moi ça craint. Elle cherche les coups de rein, me demande pas si je vais bien. Tu veux savoir ce que je vaux? Tu me testes, mais dis-moi pourquoi, poteau. Je sais pas si tu m'aimes ou c'est parce que t'es faux. Je vois trop de choses, je n'ai même plus les mots. Je vis comme je le sens, de tristesse et de joie. Je viens à contre-sens, de poteaux écroués, de poteaux qui vont platine sur un doigt. On m'écoute pas trop, mais j'ai des sales idées. Je représente les trous perdus et les cités, les sportifs, les alcoolos et les cités. Parce que qu'au poste, c'est pas cette société. Non, non, j'ai pas de vie en fêlé. Maman, d'un jour, on va filer. J'sais même plus à qui je dois. Pour te faufiler. J'ai fait un gros tri. Y'en a qu'on fait des trous, j'en pas plus aujourd'hui. Ils sont peu de business, l'amitié ça part en vrille. J'ai compris que c'est comme ça. Moi j'ai compris que c'est comme ça. Je veux que maman dans mes bras. Je veux que maman dans mes bras. Quand je mets dans la lumière, papa là là. Prends sur moi, c'est pas grave, papa là là. Dans la tête, c'est la guerre, papa là là. Je m'esquive la garde, papa là là. Ils me font trop de manières, papa là là. Trop sur moi, c'est pas grave, papa là là. Dans nos têtes, c'est la guerre, papa là là. On esquive la garde, papa là là. C'est le ghetto, c'est potion, pas con ou bien c'est l'eau. Génération, je viens avec mon plan hôtel. Où je traîne jusqu'à pas d'heure dans mon ghetto. C'est le ghetto, c'est potion, pas con. Génération, je viens avec mon plan hôtel. Où je traîne jusqu'à pas d'heure dans mon ghetto. C'était en live à l'instant. Merci à Moubarak. Merci à l'équipe. Merci à Joulan. Merci à vous. Orange Vélodrome. Ah, on était bien. Ah, on était bien. On est avec l'équipe. Merci régalé. À vous tous. Merci à vous tous de nous avoir pardon, suivis ce soir entre 20 et 21. C'était chaud encore une fois. C'était chaud. Oh la vache. Gros big up à la team Jul. On va se retrouver demain. Demain, je crois qu'il y a un live aussi de prévu. Ouais. Gros live de prévu. Il y a l'équipe qui vient demain. Il y a l'équipe qui vient demain. Voilà, l'équipe qui a posé sur l'album. Ils vont venir, ils vont faire des freestyles. Ça va être bon délire demain. Par contre, depuis tout à l'heure, ça répète Mexico. Eh bien, nous n'avons pas le temps. Demain, on fait ça demain, les gars. Demain. Demain, les gars. Demain, les gars, je suis désolé, on va retrouver Tifoul. Mexico. Bon, demain, Mexico. Hein. Mexico. Ouais, je suis fou. Oui, salut Jul. Oui, on est là. Salut Marseille, salut le Vélodrome, salut Fredo. Samy est là ou pas? Oh, tiens, un bon maillot, Fred. Ah, regarde Samy, regarde. Ah, tu dégoûtes, Fred. C'est comme tu me fais plaisir, Fredo. Tu le vois ou pas? Ah oui, je le vois, bien sûr. Tu le vois, et regarde derrière. Regarde quel beau maillot de l'OM. Regarde comment c'est floqué. Vas-y, montre. Fred Musa, number 13. J'étais accueilli à la commanderie comme Jaja. Eh ouais. Voilà, j'étais accueilli là-bas, j'ai signé mon contrat aujourd'hui. C'est beau. Donc, ça y est, mieux que Florian Maurice, je fais le transfert de la décennie. Il est fait le transfert de la décennie. Vous l'avez vécu en direct sur Skyrock dans le Planète Rap de Jul cette semaine. On a fait le transfert cette semaine. Et record du monde vendredi, j'ai entendu ça aussi. Tiens, bon, Fred. Nouveau record du monde. Ah, Jul.
marqué un record du monde. Ah, c'est toi, le freestyle le plus long du monde. Val le détient pour l'instant. Val le détient, mais tout peut arriver. On verra vendredi. On va voir ce qu'on va envoyer. Comme on a dit, c'est les fêtes. Hein. Ça va envoyer du lourd. C'est bientôt Noël. Hein. Et l'instrument que tu disais, Jules, en forme de bol, je crois que c'est un steel drum. Un steel drum. Putain, Romano, tu es calé là-dessus. Romano Musico. Non, mais c'est pas un bol cabossé. Et le mec, il tape dedans avec deux bouts de bois. Ça y est, c'est pas avec du bois. C'est avec les mains. Regarde, ah non, mais c'est pas ça alors. Non, c'est pas ça. C'est pas style drum, c'est des bells. Ça s'appelle des bells. Des bells? Ouais, c'est. Des cloches? Jingle bells. Je trouve. Ah non, je vais Il y en a une qui rigole d'ailleurs là. Oui, vous l'entendez derrière. Et ouais, ça, je sais pas. Je sais que j'ai vu la dernière fois, c'était une chinoise, elle faisait de cet instrument. Franchement, elle m'a régalé. Sur YouTube, à chaque fois, je me mettais ça là avant de dormir. Ah bon, c'est relaxant. On va regarder ça. Qui joue des trucs comme ça, toi. Ouais, c'est une dingue. Je lance tous mes musicaux à la chasse à l'info, June. Eh ouais. Regardez, vous allez voir, c'est une dinguerie. Eh bien, si on sait, on te dira demain ou avant minuit, on vous dit là. Et donc demain, il y a le Planète Rap. Vendredi, le record. Enfin bon, ça va être la folie. C'est en direct du Vélodrome et on vous donne rendez-vous demain 20h-21h. Ouais. Et moi, je crois que je m'installe à Marseille parce que quand je vais rentrer à Paris, ça va être. Eh ben, t'as bien raison. Vas-y, reviens pas, casse-toi. Les Parisiens sont vexés, Fred. Ça va bébé ou pas? C'est le bienvenu. Ça va ou pas? Regarde l'étoile, à Léo, gros. On dirait un supporter marseillais. Elle peut pas tomber. Je dégoûte. Elle peut pas tomber l'étoile. Elle est là à jamais. Elle a 3 jours à Marseille et Fredo, ça y est, contaminé. Tiens bon, Fred. Tout compris. Demain, il aura l'accent. Demain, ici, les gars. Ah ouais. Oui. Eh ben, merci à vous. Vous aurez fait pareil. Exactement. Il y a une trop bonne ambiance. Et il a pas le choix. Yo. Mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.